Salut tout le monde, c'est Marianne. Une petite vidéo improvisée aujourd'hui sur le sujet des parfums qui rendent les femmes dingues ou les hommes dingues. Donc, petit sujet impromptu parce que j'ai vu la vidéo de Arlene de Delicious Delights qui parle de l'odeur qui rend les hommes dingues. Et c'est scientifiquement prouvé, il y a des études sur ça. Et c'est l'odeur du bacon. Donc, à moins qu'il y ait un parfum qui sorte de l'odeur du bacon, soit dit en passant, je ne le porterais jamais, ce parfum-là, même s'il sortait. Et tout ça m'emmène au sujet des Jeremy Fragrance de ce monde ou tous les autres. En fait, si on regarde sur YouTube, je pense que c'est les vidéos les plus regardées. Les parfums garantis de rendre les femmes dingues et de garantis de scorer les panty droppers. Et tout ça, là, ça me rend folle de voir ces sujets-là. Ça me rend folle. Mais les gens écoutent ces vidéos-là. Encore plus que les listes de parfums qui donnent des compliments, parce que ça, c'est une vidéo qui engendre énormément de vues. Donc, ça me rend folle. Ça me rend folle de voir ça, des listes comme ça, parce qu'il n'y a jamais aucune garantie de scorer avec un parfum. Ni pour un homme, ni pour une femme. Apparemment, à moins de s'asperger de bacon, là, on est garanti pas mal de rendre son homme dingue. J'ai des opinions impopulaires à ce sujet-là, on dirait. Mais ça, c'est la même chose que dire que les hommes sont pas capables de se contrôler avec une odeur. Les hommes, en fait, sont très visuels. Les femmes aussi, d'ailleurs, c'est beaucoup plus qu'on pense. Donc, les soi-disant listes de panty droppers, écoutez pas ça, c'est absolument faux. Tous les hommes sont différents. Tous les odeurs qu'ils aiment vont varier l'un à l'autre selon leur expérience, selon leur caractère, selon leur vécu. Il y a quand même des points importants, hein? Si on veut plaire, être propre, avoir une hygiène de vie saine, un beau sourire, souriez, messieurs, mesdames, avoir un sens de l'humour, être charmant, charmante, tout ça va jamais, jamais, jamais être en vain. Et bien sûr, si le parfum vous donne un boost de confiance pour être encore plus charmant, encore plus drôle, encore plus souriant, allez-y à fond. Mais s'il vous plaît, au grand, s'il vous plaît, arrêtez de diminuer les humains en disant qu'il y a des parfums qui vont garantir le succès avec le sexe opposé. Ça n'existe pas. À moins de sentir le bacon. Donc, petite vidéo rapide, parce que je me sentais... Parce qu'il y a des fils qui se sont touchés. Je me sentais... J'avais envie de péter une bulle. J'avais envie de parler de ce sujet-là depuis longtemps. Mais en fait, la vidéo de Arlene, qui rit de ce sujet-là, soit dit en passant, elle se prend pas au sérieux du tout. Arlene de Delicious Delights, je l'adore. Et sur ce, je vous quitte. Joyeuses fêtes. Bye!